L'expérience que tu débloques te donne un point de R&D à investir. Tu disposes actuellement de un point de R&D à investir. Utilisant un, le météorologue te permet de connaître la météo d'un rallye afin de définir la meilleure stratégie de course. Tu pourras débloquer d'autres métiers en fonction de ton avancée. Retourne maintenant à l'atelier. Maintenant, dirige-toi dans la zone de gestion d'équipe. C'est ici que tu peux gérer tes membres d'équipe. Ils sont répartis en 6 métiers différents. Sur chaque carte, tu peux voir le nom, les compétences et la rareté. Chaque type de métier dispose de compétences qui lui sont propres. Celles-ci sont plus ou moins élevées selon la rareté du membre d'équipe. Il possède également une jauge de forme physique qui diminue au fur et à mesure des événements. Pour faire remonter la forme physique d'un membre d'équipe, tu peux le placer dans la réserve ou organiser un événement repos. À la fin de chaque rallye, tu dois payer les membres actifs de ton équipe. Pour recruter un membre d'équipe, tu dois utiliser l'interface de recrutement. Attention, les membres proposés ne restent pas indéfiniment. Enfin, les membres d'équipe partagent un moral global qui affecte leurs compétences. Maintenant, place un météorologue en tant que membre d'équipe actif. Un nouvel événement est disponible. Il s'agit d'un événement conditions extrêmes. Tu peux à présent lancer l'événement planifié. Ceci est un événement conditions extrêmes. Tu es au volant d'une voiture gravement endommagée dans des conditions météo difficiles. Tu dois parcourir la plus grande distance possible dans le temps imparti. Dans gauche 4, court, dans épingle de droite, ouvre. Et gauche 5, tenir, sur gauche 4, 30 mètres. Épingle de gauche dans épingle de droite. Et gauche 3 court, dans droite 4 court. Dans épingle de gauche, 40 mètres. Droite 3, ferme. Gauche 3 court dans épingle de droite. Et gauche à fond, dans droite 4 court, pas corde au croisement. Dans gauche à fond, bosselet, ferme. Dans droite 3 sur ciel.